Wave Race. Bon, espérons que la connexion soit avec nous. Croisez les doigts. Totale découverte. Hein. J'attends un petit peu quand même. Ça m'a l'air correct. Mais... Pour l'instant, ça m'a l'air très très bien. Là, on part sur Wave Race Blue Storm que je viens de recevoir, totale découverte. Donc, étant un grand fan de l'épisode 64, je pense que sur GameCube, ça peut que marcher. On va tester ça ensemble. Il est complet, hein. Je l'ai pas eu pour bien cher. Tout est en très bon état. La notice. D'ailleurs, j'ai pas l'habitude des jeux GameCube, et les notices GameCube font penser aux notices Super Nintendo. Et ça, c'est bon. Donc voilà. Moi qui adore le jet ski, ça peut être que du bon. Comme je dis, en espérant que Internet soit avec nous. Pour l'instant, ça va. On parle pas trop vite. Tutoriel. On va pas se faire un tutoriel, hein. On va pas se casser la tête. Mode cascade contre la montre. Championship. Ah, faut commencer par l'exhibition, il n'y a pas de choix. Ok, ça se débloque au fur et à mesure. Normal, 5 circuits, 6 circuits, 7 circuits. D'accord. Comme ça, c'est bien. Alors, ils ont chacun leur musique ou quoi? Écoutez, je sais pas. Hein. On va prendre le premier. De toute façon, là, c'est de l'exhibition. Donc. On n'a pas le choix, c'est une course imposée, exhibition. Ok. Welcome to Dolphin Park. This is day one of the circuit. Ryota, it's Jack. I'm in the pit and I got you on the monitor. So we are good to go. Go out there and show them what you got. Good luck. Good for that. Hit the gas right when the light goes green and he'll jump off the line. C'est un peu fort, frère.
Pas bien. Ouais, ça se joue vraiment comme la version 64. Hein. Un petit peu plus dur peut-être. Faut s'y faire peu. Attends, deux secondes. Voilà. Hop, des câbles. Aïe. Il est très beau. Très fluide, très fun à jouer. Je sais pas encore faire les figures ni rien. Je vais essayer de faire une figure, mais ça passe pas. Merde. Voilà, c'était l'exhibition. Attends, par contre, juste faire un truc vite fait. Ce qui concerne la capture. Nickel, que ce soit nickel à la maison, comme d'hab. Hop, voilà. Salut, Kojiro, ça va quoi? Patate, la patate. Là, on découvre le petit web race des familles que j'ai reçu avant-hier. Donc voilà quoi. Ah, ça va nickel, merci. Pour l'instant, c'est super fun à jouer, hein. C'est très beau. Étant un grand fan de la version 64 d'époque. Hein. Franchement, du lourd. Ah, j'ai rien vu, on a qu'en exhibition, j'ai rien vu du tout. À ce qui paraît, la météo, elle change dans les niveaux et tout. J'ai lu derrière la boîte un petit peu, quoi. J'ai regardé la notice un petit peu aussi. On a la notice avec, évidemment. Pas évidemment, c'est pas une évidence pour tous les jeux, mais... Bien heureux de la voir quand même, tout en couleur. Donc, bien content. Notice de qualité, hein. Façon jeu Super NES, hein. Notice de qualité, quoi. Donc là, tout est bien expliqué. Tout. Là, pour l'instant, je découvre. Total. Alors, j'espère que tout va bien. Niveau du live, du son de ma voix, du jeu, tout, quoi. Total, quoi. J'espère que ça va. J'espère que ça farte. Je m'étais pêché une bonne petite carte mémoire là des familles. Bien. Voilà, tout se débloque au fur et à mesure en fait. Ouais. On n'avait pas le choix de commencer par l'exhibition. Donc là, on va rentrer dans le championnat quoi. J'espère que tout va bien pour vous. Normalement, il n'y a pas de raison. On demande toujours quoi. Le souci, toujours
Tant que j'aurai pas la fibre, ce sera toujours, il y aura toujours le souci de la co. Bon, là, ça a l'air d'aller. Bon, eh ben, on attaque. Donc, on va garder notre petit pote, là. Tout est au top, Nono, tout marche bien. Bah, écoute, merci pour ton retour. Super, je suis bien content, alors. Parce que la GameCube, ça, j'ai pas l'habitude de la capturer. Hein. J'ai pas l'habitude des jeux, des boîtes, des notices. Des... Enfin, j'ai eu dans le temps, hein, j'ai eu de la GameCube avec des jeux, tu vois. Mais c'est la console que j'ai le moins, eu, en fait. Je l'ai eu deux fois. Et j'ai pas eu énormément de jeux dessus. J'ai pas énormément joué. J'ai joué énormément aux jeux concernés, mais c'est vrai que je connais très peu de jeux, hein, finalement. Sur la GameCube, quoi. Hein. Je dois en connaître une bonne trentaine, une bonne quarantaine. Et je vais en récupérer une vingtaine qui m'intéresse. Donc, bon. Je me mets un petit peu à la GameCube aussi en parallèle, à côté de la Super NES. Voilà. J'attends encore des jeux, là, vite fait. Bon. Alors, ok. Oh, c'est propre, hein. Enfin, ça a l'air propre de ce que j'en vois. En tout cas, je suis content d'avoir récupéré. Moi qui adore les jeux de jet ski, hein. Pour ceux qui savent, on avait fait Splashdown aussi sur PS2, que j'ai dans la collecte. Qui est excellent aussi. Ladies and gentlemen, start your engines. C'est la version PAL. La version PAL. 3, 2, 1, go. Là on est en championnat, donc là bon, ça va plus rigoler. On va voir ce que ça vaut en normal. Ah, c'est chaud. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Quoi? Ah, j'ai mis un coup de botte. Ah, j'ai essayé de mettre un coup de botte. Enfin, franchement, c'est fun tout de suite. Hein. C'est exactement comme sur 64, faut jouer avec les gâchettes. Mais c'est dur, hein. C'est dur, hein. En vrai. Mais de toute façon, sur 64, il est dur, hein. De toute façon. Déjà. Faut s'y faire, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Quatrième, hein. Bon. Eh. On se chauffe, hein. On se chauffe, quoi. Va falloir que je m'entraîne, je crois. Si je veux avoir tous les modes. Je compte le finir en entier, quoi, tous les modes. Hein. À mon avis, on va en chier. Comme j'avais fait sur 64, hein, j'avais fait tous les modes hein, existants, c'était hyper chaud. La version 64 est très dure. Hein. Ok, je croyais qu'on pouvait mettre 4 lettres, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Ah, je suis content. Je m'attendais à ça, c'est cool. Enfin, je m'attendais. Voilà. Normal, quoi. Mais bon.
Va falloir se chauffer, hein, à mort. Ouais, c'est normal, hein. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas joué à WebRace sur 64, déjà d'une. J'ai pas l'habitude de la manette GameCube, hein, en vrai. Ça va revenir, hein. On va en faire plus en plus, donc ça va revenir. This is day two of the circuit. We'll be racing under a partly cloudy sky today. On va en faire de plus en plus. Small waves, we can expect some high speed. You gotta finish in fifth place or better to move on to the next race. 3, 2, 1, go! Pass that buoy correctly. Nice. Je pense qu'il faudrait que je lise encore un peu mieux la notice. Merde, je crois que c'était un tremplin. Ah, pas le compas dans l'œil. Hein. Attends, putain, c'est pas grave. Oh la vache. Je crois que ça va être chaud pour ma gueule. Attends, je peux pas recommencer? Non, je peux pas recommencer. C'est soit je me retire ou... Non, c'est pas grave. Ah, j'ai du mal, hein, quand même. Ah, mais il y a un boost! Ouais, franchement, je crois qu'il va falloir que je lise la notice. Mieux que ça. J'ai juste pelleté. Pas grave. Partie de chauffe. C'est quoi? Je vais me retirer carrément. Ah mais il y a plusieurs vies. Il y a 4 vies. On apprend. We'll never make it to the final race at this pace. J'ai pas pris le meilleur des persos non plus. Non, il n'y a pas de vie en fait. C'est... Voilà. Ok. Alors, je regarde quand même. Lui, il m'a l'air... c'est bien. Elle a l'air équilibrée à fond aussi. Écoute, on va prendre lui. On va changer. Il est fun, mais il est dur à jouer, hein, quand même. Hein. Welcome. Hit the gas just as the light goes green and you'll get a boost off the line. 3, 2, 1, go! Right, you passed that buoy correctly. Okay. Ah, c'est chaud, les gars, je vous jure. Je vous le dis. Ça va, allez. On va s'y faire. Tremplin. Il y a des raccourcis partout. Comme à l'accoutumée. Aïe. Oh, merci Code Giro pour ton abonnement de niveau 3. Ton 9e mois. 9e mois. Merci beaucoup pour soutenir la chaîne, l'ami. Merci beaucoup pour ton soutien, mon pote.
plaisir. Bon là, ça va mieux, on est premier déjà. Bah si, hein, c'est énorme. C'est beaucoup. Si, c'est énorme. Bon, on est premier. Ça va mieux. Hein, ça va un petit peu mieux déjà. On commence à se faire un petit peu la main, les mimines. C'est bien. J'ai fait un moins bon temps, mais par contre, voilà, premier, quoi. Voilà. En même temps, on a changé de personnage, hein. Le personnage, il est un peu plus maniable. Il est un peu mieux. En vrai. Alors, qu'est-ce que t'en penses de... Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit web race des familles? Bah moi, en vrai, je suis conquis, hein. Voilà, on sait ce que c'est du wave race, hein, on sait ce que c'est du jet ski. Tu vois, graphiquement, j'avais pas vu, tu vois, je ne m'étais pas spoilé. Je ne m'étais pas spoilé pour découvrir, quoi, complètement, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est très bon. Par contre, la maniabilité, elle est plus technique qu'il n'y paraît. Elle est plus technique qu'il n'y paraît en vrai. Mais clairement. Ah, il y avait un tremplin. Ah, oula, 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 oula. Je vous jure que la maniabilité, elle est plus technique qu'il n'y paraît, hein. C'est ouf. Ok. Là, si j'avais su jouer, j'aurais pu faire une figure. On apprendra ça plus tard. Pas évident. Vraiment. Pas évident. Mais là, notre perso, il est beaucoup plus maniable, hein. En vrai. Non. Oh. On s'est passé. Oh. Ça, je gère là. Franchement. Waouh, premier encore, putain. Ah franchement, hein, franchement, je suis pas déçu. Il est dur à manier, hein, ça, je le redis quand même. Au début, c'est tout de suite bien. Et dès qu'il commence à avoir des tournants bizarres et tout. En plus, je l'ai pas eu à très cher, hein, en complet. Hein. J'ai vraiment pas eu à cher. Ça m'est revenu à 20 balles en complet avec les frais de port. Parce qu'en magasin, je l'ai cherché, je l'ai jamais trouvé. Alors, que ce soit dans des caches ou autre, alors j'ai commandé sur internet. Et j'ai fait pareil pour 1080 snowboarding. Donc voilà quoi. Mais je vous dis, on va s'en faire pas mal de la GameCube. Ça varie aussi en même temps. Bon, j'ai rien à voir, mais j'ai prévu aussi de faire Sonic Adventure sur 360, finir le jeu avec tous les personnages et essayer d'avoir tous les emblèmes. On va en avoir pour un moment là, par contre. Ça fait longtemps que je veux faire ça.
parce que je l'ai jamais fait à l'époque, tous les emblèmes. J'ai fini le jeu plus d'une fois, que ce soit sur Dreamcast ou... sur d'autres supports. Eh, on est encore premier, hein. Deux fois premier quand même, hein. C'est propre là. Bon, on est en normal aussi. Hein. Et il y a marqué en bas, hein. C'est ça qui est bien. On sait où on en est, quoi. Premier. C'est propre. Tu connaissais, toi, Kojiro? Bah, tu connaissais sur 64, j'imagine. Je savais qu'il existait aussi sur GameCube, hein, depuis belle lurette, hein, depuis longtemps, quoi. Mais je l'avais jamais eu. J'avais jamais testé. Et j'ai toujours voulu. Et à l'époque, il valait trop cher, quand c'était les débuts de la GameCube, je trouvais. Et je m'étais concentré sur d'autres jeux. Du coup, j'étais passé à côté. Incroyable. Incroyable que je sois passé à côté à l'époque, mais c'est vrai. Je suis passé à côté à l'époque. Carrément. Incroyable. Ah, c'est calme là, j'aime bien, c'est fluide. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est plus facile pour moi. Sachant que je débute. Ah, si, il est propre hein, en vrai. Hein. Franchement, super propre. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Est vraiment cool. Même les décors, hein. Il est vivant le décor quand même, ça va. Je pense que j'ai rien vu. Mais... ouais, sur M64, moi aussi à mort, je l'ai poncé sur 64. Je l'ai défoncé. Le jeu, il m'a pas tenu tête, clairement. J'ai mis du temps. Il est dur, hein, sur 64, il est vraiment très dur. Aujourd'hui, il est même rigide, je dirais. Mais toujours bon. J'aime beaucoup encore. Putain, la vache, comment je gère, quoi. Regarde-le, il fait des figures de fou. On sait pas faire les figures encore. Quand on va savoir les faire, ça va être top, en vrai. On est bien, là, hey. Trois fois premier. Eh. On est bien. Ça va, je suis content en plus. Je parle pas trop vite, mais la connexion est correcte. Je regrette pas mon achat. Ça va mieux avec ce personnage là, hein. Avec celui que j'avais pris avant, c'était laisse tomber, quoi. Waouh, dans la nuit. Ocean City Arbor. Ok, dans la nuit. Welcome to Ocean City Harbor. This is day four of the circuit. We may get a peek at the moon tonight if these clouds break up. With these small waves, we can expect some high-speed racing. A couple of wee waves here and there, mate, but it's about all, so it should be a snap. 3, 2, 1, go! Franchement, puis il est super maniable, hein. Dur, manier, mais... une fois que t'as le coup, en vrai,
ça passe. On va voir le coup, quoi, quand même. On va voir le coup. De décélérer, d'avoir le réflexe d'anticiper le décor aussi. Anticiper le décor et décélérer. Meilleur moyen. Bah, comme sur 64, en vrai, là, ils sont pas foirés. Hein. Ils sont pas foirés, en vrai. Quand t'as joué à la version 64, je pense que faut un petit temps d'adaptation et puis après c'est bon. Normal. Waouh! Ah, tu vois, c'est ce qu'il disait dans la notice, le décor vit. Et la météo change et tout, ça c'est top. Hein. Voilà, c'est pas incroyable, mais je pense qu'il y aura des niveaux. Ça va être incroyable. Quoi. Là c'est le début quoi. Et puis quand tu fais bas aussi, tu accélères. Et quand tu fais haut, tu plonges. Pareil que sur 64. Là. C'est top qu'ils n'ont pas changé la formule en vrai. Hey! Comment je passe, frère? Au secours! Putain, c'est dégueulasse! Cinquième, merde! On s'en fout, on a été tout le temps premier, je pense que ça peut passer. Je sais pas. Il y a un tremplin! Je peux peut-être rattraper, ça m'étonnerait. Je vais essayer quoi. Ah, je suis pas mal là. Hein, je suis pas mal là. Ouais, pas mal, deuxième quand même. On a bien rattrapé. Hein. C'était pas gagné quoi. Ça n'était pas gagné. Vu qu'on a été tout le temps premier, ben, on va voir la coupe. Bon, bah déjà une coupe de fête. Apparemment, je ne sais pas, on va voir. Ah non, il y a le final avant. Il y avait marqué tout à l'heure. Et c'est moi qui ai 46 points. Évidemment. Moi aussi, Nono, j'ai changé mon micro casque. J'ai acheté un sans fil, il marche bien. Ah, cool, faudrait que je vienne voir ça, Kojiro. Hein? Déjà, ton micro, ça va, il était propre, hein, en vrai. Hein. Mais bon, t'as raison, hein, c'est toujours mieux. Ouah, la baguette! Merci, Stolidas, pour ton abonnement, t'es un ouf! Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne, ça fait plaisir. Ah, les gars! Ah non, je croyais qu'on était arrivé à 100 à la barre. Parce que arrivé à 100, je vous réserve une surprise. Mais ça, on en reparlera. Ça va, Solidus ou quoi? Merci beaucoup pour le soutien. Merci les gars, vous êtes des amours. Ouais, impeccable. Ouais, content, content. Ah bah du coup, t'as réussi à trouver le temps de passer? Comme tu m'avais dit hier, comme t'es au boulot. On est sur le Wave Race. Sur le Wave Race des familles. Ah, merci les gars. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Donc, excellent. Hein, excellent. Là, on est à la première coupe. Excellent, vraiment. Je ne suis pas déçu, loin de là. Bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Merci, c'est gentil en tout cas. Fais ce qu'on peut. En général, je suis réglo. Tant qu'on me casse pas les noisettes à moi,
c'était bon, quoi. Ah, oh, mais je m'en fous, moi, de ce que pensent les autres, hein, t'inquiète, Solidus, t'inquiète. Alors là-dessus, alors là, je fais pas ma vie avec eux, moi. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est les trolls. Hein. Après, j'ai aucun problème, hein, avec personne. Hein. C'est ce qui m'emmerde le plus le soir, tu vois. Ça me dégoûte, ça. Enfin, ça me dégoûte... comment dire... Enfin, ça casse, quoi. Ça casse le truc, quoi. Ça casse la passion, tu vois. L'engouement, la passion, ça casse le truc le soir, quoi. Le soir concerné, quoi. Là, tu parles d'un truc, t'es passionné, t'es content. Et d'un coup, t'as un Mongolien qui arrive. Des Mongoliens. Ah, vivement le week-end, ouais, ça arrive, là. On se fait une petite cigarette. On prend le temps, on prend le temps, on prend le temps d'apprécier. Là, franchement, ouais, bon jeu. Oh, j'en doutais pas. Ah ouais. Ah bah je sais, toi, c'est ton genre de jeu, ça. Ah, je sais bien. Et moi, je respecte les goûts de chacun, hein. T'as vu, je peux passer voir des gens, pourtant j'aime pas le jeu, mais si j'aime bien la personne, je vais passer lui dire salut, tu vois, même si je reste pas longtemps, tu vois. Moi, je suis comme ça. Et si j'aime le jeu, ben, je reste plus longtemps, quoi. Je suis pas obligé d'aimer le jeu pour passer voir quelqu'un. Hein. Si j'aime bien la personne, ça suffit. Hein. Par contre, quand j'aime pas, même si j'aime le jeu, je passe pas. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien que t'es multigaming. Bon, quand tu fais du rétro, t'as vu, je reste plus longtemps, toi. Tu le sais. C'est pas une surprise. Ah, bien joué. Alors, t'as kiffé ou quoi, toi qui découvrais? Toi, comme quoi, y a pas d'âge pour découvrir. Hein. Y a pas de période pour découvrir. Hein. Y a pas de problème, tu vois. Ah, tu m'étonnes, mais il est trop bien. Mais t'as fait le 1 sur Mega Drive. T'as fait le 1 sur Mega Drive ou. Racers, take your start positions. Attends, pause. Attends deux secondes. On parle là, on parle. Eh, hey, j'ai mis pause. Ils s'en foutent, quoi. J'ai mis pause. J'ai commencé le 2 hier. Ouais, mais je te demande, c'est sur Mega Drive que t'as fait? Parce qu'ils existent sur Game Gear et sur Master System aussi. Franchement, je te conseille vraiment les versions Master System et Game Gear, hein, si tu veux. C'est vraiment rétro, rétro de chez rétro. Mais pour les supports que c'est, pour les consoles que c'est, si t'as kiffé sur Mega Drive, je sais pas si t'as fait sur Mega Drive, mais. Alors, je crois que c'était sur Master. Ah ouais, sérieux? Ouais, c'est. Franchement, ils sont excellents. Ils sont excellents sur Master System, mon vieux. Excellent. Enfin, moi, je trouve. Hein. Pour les supports que c'est, tu vois. Bah, moi, je trouve. Putain, c'est. Il est magnifique le circuit. Là. J'adore. J'adore. Même si en général les niveaux de glace, tout ça, je suis pas très fan, mais. Alors qu'est-ce que t'en penses, Solidus? T'as vu la beauté quand même? On est sur GameCube, hein. C'est pas tout récent, tu vois. Comme toi, je pense que tu découvres beaucoup le rétro. Apparemment, mais c'est très bien. Regarde ça, les poissons et tout, les orques. Pas mal, hein. Ouh. Ah, il est beau en vrai.
Il est dur, mais il est beau. Et il est fun, ça. Et surtout ça qui est bien, c'est qu'il est fun. Alors, je vais vous lire après, hein, là je peux pas. Vraiment être à ce qu'on fait au niveau de la maniabilité. Regarde ça. Wow. Alors je sais pas encore faire les figures, mais bon, j'apprendrai après. Vas-y, t'arrêtes. Moyen de rattraper un petit peu. On n'est qu'à la première coupe, hein, en normal. Ça nous fait nous entraîner, quoi. Oh, 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 oh. Allez, c'est pas mal. Alors, du jet ski en hiver. Ouais. Allez, c'est propre. Go le top 1, c'est chaud. Hein, c'est... Mais là, on a été trois fois premier, une fois deuxième, une fois troisième. Donc, je pense qu'on est sur le podium, on va voir. Première coupe, là. Il y a trois modes de difficulté, donc... On va voir les gars. On va voir ce que ça dit. Alors comment ça se présente les coupes. C'est moi le premier, c'est bon. 54 points. Ça va. 12 points. Salut Sinfo. Bienvenue parmi nous. Normal circuit, donc là on va voir la coupe. Ah voilà, je voulais voir comment ça se présente. Bon, déjà c'est magnifique, hein, évidemment. Pour ceux qui arrivent, hein, on est sur la GameCube, sur le jeu, tout réel, hein, pas d'émulation. Et Nono, the first. Nigel Carver. Et il fait du hip-hop sur son jet ski. Alors, congratulations. On to the next circuit. Bah oui, oui, évidemment. Alors, comment ça se goupille? Voilà. Donc, au fur et à mesure... Qu'on fait les coupes, ça débloque, tu vois. On a fait l'exhibition, on a fait normal. Maintenant, il y a 6 circuits au lieu de 5. Et après, il y en aura 7 en mode expert. Donc évidemment, on va essayer de le poncer. Hein. Tout ce qu'il y a à faire dedans, on va le faire, évidemment. Parce que c'est des jeux qui sont assez courts. Hein. C'est typiquement arcade. On essaiera le stunt mode aussi. Ouais. Non mais il y a un temps d'adaptation quand même. Il y a un temps d'adaptation. Je veux savoir. Non, ça va, au début j'étais un peu dans les choux. J'avoue. Donc on a tout ça comme personnage. Alors moi, bah, pour l'instant j'ai pris celui-là le premier. Celui-là pour l'instant il me convient très très bien. Donc on va le garder. On va le garder. Non, je suis content de l'avoir chopé. Hein.
suis content. Vraiment, vraiment, les gars. C'est du bon. Il est beau, il est fun. Voilà. Faut quand même le mentionner. Quand c'est bon, faut le dire. Quand c'est pas bon aussi, on en fait moins des caisses, quoi. Quand c'est mauvais, c'est mauvais, quoi. Mais quand c'est bon, c'est bon. Petit circuit japonais, là, un peu. Japonisant, chinois. Ah, c'est cool. Vous avez vu ce qu'il y a marqué sur Jet Ski Game Boy Advance? Ah, moi je suis observateur. Donc là on est en hard, hein, les gars. Donc là, bon, je pense que je vais moins faire de mariole. Déjà ça speed beaucoup plus là, putain. Ça speed, hein, les gars. C'est pas mal, dommage. Merde. Aïe aïe aïe. Je suis encore deuxième quand même, hein, ça va. Ah putain, j'ai mis le boost. Complètement malade. Aïe 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 aïe. Hey. Reviens dans la course, Nono. C'est pas le fou. Je sais pas si je vais rattraper. Hein. Il y a des boosts aussi, les gars. Tu vois ça. Ah, c'est chaud. On est en hard en même temps. Un peu. Ouais, c'est le temps d'axe. C'est temps d'axe, effectivement. Je vais pas te dire non. Je suis pas prêt pour le mode hard. Je suis pas prêt. Clairement. Ok, ça faut le faire à la fin, l'espèce de boost là. C'est dur, les gars. La 8ème, hein. Je ne savais même pas qu'une version était sortie sur GameCube. Elle a l'air géniale. Elle est vraiment géniale, Sinfo. Moi, j'étais un grand fan de la version 64. Donc, je savais qu'elle existait sur GameCube. Et je suis passé à côté à l'époque. Donc, j'ai jamais fait. Donc, je le découvre là, en fait. Je l'ai chopé avant-hier. Voilà. Pareil, j'ai chopé le 1080 snowboarding. Enfin, sur GameCube, il s'appelle 1080 avalanche. On peut déclencher les avalanches, quoi. D'après ce que j'ai lu, derrière la boîte. Quand je l'ai commandé, là je l'ai pas reçu, je vais le recevoir ces jours-ci. Pareil, le 1080, je suis passé à côté sur GameCube à l'époque. Par contre, je l'ai pensé axe sur 64, quoi. J'ai défoncé le jeu. Le Wave Race et le 1080 sur 64, je les ai défoncés. Ouais. Bah je me le suis pris sur GameCube du coup. Il devrait pas tarder à arriver. Comme celui-là, hein.
complet en boîte. Ah oui, j'ai été 8e évidemment là. Bon bah, on y retourne. Hein. C'est chaud là. En même temps, on est en hard, hein. C'est pas une surprise. Je sais pas combien faut être pour se qualifier, je crois que c'est 4e. Bon, je me suis pris du décor aussi. Hein. Non, faut être 6e, il y a marqué. 6 to advance. Faut être 6e, c'est jouable. On va essayer d'être sur le podium quand même, merde. C'est bien, on va essayer, les gars. Faut pas louper des plots là, faut pas les louper. Waouh, doucement. Hein. Ah, il est super cool. Hein. Ça se pareil là. Merde. Pas plus pour moi. Putain, j'ai fait mon turbo comme un ouf. Je suis quand même premier là. Bon, ça va pas durer, je pense, je sais pas. On va voir. Hein. Hey, ouais, mais il me pousse aussi quoi. Aïe aïe aïe, c'est chaud quand même. Par contre, pour les vagues, là, ils en ont un peu trop fait. Ça va. Ça va. Ça va. Rien de... Tout va bien. C'est un peu déstabilisant. Deuxième. C'est beau. C'est magnifique. Il fallait être 6e pour se qualifier, je suis 2e. C'est plutôt cool. C'est plutôt propre, les gars. 2e, c'est bien. C'est bien. Pas mal. Merci pour GG. Je te connais pas, Sinfo. T'es arrivé comment sur ma chaîne? Peut-être t'as changé de pseudo, peut-être t'es déjà venu vite fait en lurk ou je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, ton pseudo ne me dit rien. Merci Solidus. N'oubliez pas, hein, quand la barre des 100 subs est atteinte, je vous prépare une surprise et ce sera pour vous. Je vous ferai gagner des choses. Ce sera pour vous. On fera ça maintenant. Comme ça, ce sera moins souvent. Voilà. On fera ça. J'ai prévu de faire quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle des box mystères. Il y a plusieurs jeux dedans. Et les jeux qu'il y aura dedans, suivant ce qu'il y a, je vous les ferai gagner. Voilà. Ça peut être d'Atari 2600... Ça peut être du vidéo pack, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ah d'accord. D'accord, c'est info. Ouais bah c'est. Ouais. Mais c'est normal, hein. Mais ça c'est à cause des trolls ça.
Comme ça, au moins, ceux qui me suivent depuis minimum un mois, je suis quasiment sûr, on ne sait jamais, évidemment, mais je suis quasiment sûr qu'au moins, c'est des personnes... Si tu me suis depuis un mois, bon, bah, ça... Voilà, ça veut dire que... Bon, voilà. Logiquement. Bon, ça veut rien dire. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri des trolls. Malheureusement. Et ça casse le truc, quoi. Moi, je m'en fous, tu vois. Hein. C'est... Pour moi, c'est des no-life, je m'en tape complet, tu vois. Et ça casse le truc, quoi. Tu vois, t'es dans la passion, tu partages quelque chose, des fois t'es un peu euphorique, t'es un peu à l'apéro, et tu vois, ça vient casser les couilles, tu vois. Parce que ça a pas de vie, tu vois. Donc voilà. Et ça casse le truc, c'est ça que ça fait, en fait. Moi, je m'en fous, ça me fait rien, personnellement. Mais ça casse le truc. T'es en petit comité avec des gens qui sont passionnés comme toi, qui on kiffe, on parle. Et d'un coup, voilà. Puis moi, ça m'énerve très vite, évidemment. Salut, Fresh, ça va? Enfin bref, voilà pourquoi c'est un faux. Donc maintenant tu peux parler. Voilà, et comme d'autres hein, d'ailleurs. Donc c'est cool. Ouais, la pêche. La pêche, excellent. Petit wave race des familles. Fresh one. Welcome to Southern Island. Franchement, excellent. This is day two of the circuit. We have excellent, excellent. Complet à pas cher. Là on est en hard là. On a déjà fait l'exhibition, la coupe normale. Là, on est en hard là. Donc c'est dur. Hein. C'est dur. C'est quand même dur. C'est dur dur. Mais c'est fun. Je me répète, c'est fun. Ça, il faut le mentionner. Quoi. C'est... Allez, tant pis. Waouh, c'est trop chaud, frère. Le circuit. Aïe, j'ai perdu le fil. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Comme je disais, pour ceux qui arrivent, hein, on va se mettre à faire un petit peu plus de GameCube ces temps-ci. Déjà, l'histoire de varier. Parce que j'en ai envie. J'attends quelques jeux. Et pas des moindres. Je croyais que je passais pas là en dessous. Là, je rattraperai pas. Waouh! Ça fait super chaud. Sérieux? Il y a un bon temps d'adaptation quand même. Pas facile au début, non mais ça va, je t'ai dit, on a fait une coupe. Donc comme je parlais tout à l'heure, hein, j'ai glissé, chef. Clairement. Donc maintenant, à partir d'un certain nombre de subs, je ferai gagner des jeux venant d'une boîte mystère. Donc je connaissais le système depuis longtemps, mais j'ai trouvé un autre magasin qui faisait ça sur internet. Et ça les aidera en plus, c'est un magasin indépendant. Ça, c'est génial. En plus, ça va varier, puisque ça peut faire gagner, comme je disais, du Videopack, de l'Atari 2006, dans l'Amstrad, Master System, n'importe quoi, peu importe. Ah, ça, c'est sûr, chez Nono, c'est son filtre. Ah bah, écoute... C'est appréciable de lire ça, hein, écoute. Comment tu sais de quelle génération je suis? Peut-être tu m'as... t'es déjà venu, ouais, peut-être. Je sais pas.
Tu m'as peut-être entendu en parler, je sais pas. Ah, c'est sûr, moi, il n'y a pas de filtre, hein. C'est sûr que là, je vais pas faire les choses pour que les gens m'aiment bien, moi. Il n'y a pas de... On vient comme on est, quoi. Pareil pour vous, d'ailleurs. Enfin, comme vous êtes, c'est limite. Ouais, ok, ouais, on est carrément de la même génération, j'ai 40 berges, donc... On est carrément de la même génération. Carrément, carrément. Bah, c'est les gens avec qui je m'entends le mieux, mais attention, t'as des jeunes de 20 ans qui sont très matures et qui sont très très sympas aussi. J'en connais, depuis longtemps ils me suivent. En fait, là je ne veux rien dire, en fait, quelque part. C'est dans la tête que ça se passe, dans le caractère, quoi. Enfin, moi, je pense ça, quoi. Personnellement. Bon, on est bien, là, sur le petit wave race, on est bien. Oh, putain, faut que je sois deuxième pour avancer. Oh, la vache. Ah, la vache. Deuxième, les gars, deuxième. Game Boy Advance, il y a marqué sur le jet ski. Ça, c'est pour le Game Boy Player, ça. Peut-être on l'aura, on verra. C'est un peu compliqué au niveau prix maintenant. Surtout qu'il faut pécho avec le CD, sinon ça marche pas. Donc faut mettre le prix, quoi. On verra. Il est super fun, super beau. Moi j'aime bien. Moi j'adore. Mais... Merde! Pardon! Bah en vrai, c'est la même maniabilité que sur 64 en vrai. Hein. Je vous le dis tout de suite. Dommage. Là, ils se sont vraiment pas foirés et c'est vraiment appréciable. Et pareil, sur 64, il est très très dur. Hein. L'ayant poncé sur 64, je peux vous le dire. Quoi ? Ah la vache. Vache. Hey, game over, les gars. Game over en hard. Alors, en expert, je vous raconte même pas en même temps. Attends. On peut pas tout passer comme ça. Du premier coup, quoi. C'est pas possible. Non, c'est pas grave. Je suis pas pressé de débloquer toutes les coupes. Hein. Au contraire. Après, il y aura le stunt mode à tester aussi. Time attack, c'est pas mal aussi. Bon bah ça ça peut être cool à plusieurs. Free roam, ça je sais pas trop, je comprends pas ce que c'est ça. Peut-être les replays, je sais pas. Peu importe. Donc nous on a fait ça quand même, c'est déjà pas mal. Bah on y retourne. Moi je trouve que c'est lui le mieux en personnage de ce que j'ai vu par rapport aux performances. Alors peut-être la fille aussi, hein. Celle-là, là. Elle est équilibrée en tout. Hein. Faudrait peut-être la tester. Hein. On va la tester. Histoire de changer de personnage, quoi. Elle a l'air plus équilibrée. Hein. Dr Pepper, elle est marquée sur son jet ski.
Ah ouais, mais elle est plus rapide. Ah ouais, mais elle est clairement plus rapide, quoi. Oh. Je sais pas si c'est un avantage en vrai. Je sais pas si c'est un avantage en vrai. Elle est peut-être même trop rapide. Ça dans les virages, c'est pas. Ah, c'est pas génial dans les virages ça. Ouais. Elle a du mal à tourner dans les virages elle. Ouais. C'est pas forcément. Ah, elle est pas terrible. Hein. J'aime pas. J'aime pas. Bon, je vais aller manger, passe un bon stream, à bientôt. Ça marche, salut Luce. Bon app à toi et merci pour ton soutien à la chaîne. GG level up, Rashwan. On va reprendre notre mec. On va prendre l'autre, on était bien avec. On va prendre lui, hein, je... Dans les virages, il est beaucoup mieux. En fait, tu peux choisir ton niveau. Attends, je comprends pas, là. Tu peux choisir ton niveau dans la coupe. Sérieux ? Trop bien, ça. Mais c'est trop bien, ça. Si c'est hyper dur celui-là, j'ai pas pris le plus facile. Ah mais ils m'ont poussé. Anticiper le décor et décélérer. Meilleure technique. Pas trop décélérer quand même. Hein. Oh, 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 oh. Aïe aïe aïe. Oh oh. Mais non, du con. Faut pas oublier qu'il y a un boost hein, qu'on peut mettre à la fin. Moi je l'ai mis ici mais bon c'est pas assez bien. Merde. Moi je... Ah pardon. Je l'ai mis le boost là c'est bon. Eh premier hein. Premier en hard. Ça commence à venir. Mais c'est vraiment pas évident. C'est hyper chaud quoi.
C'est super chaud. Mais c'est cool. Premier déjà, c'était plutôt pas mal parti. Hein. Et ça, c'était plutôt pas mal qu'on puisse choisir notre circuit dans la coupe. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal hein, qu'on puisse choisir quand même. Hein. On se fait les plus durs ou quoi avant? Je sais pas si c'est une bonne idée. Celui-là c'était un des plus durs la ville avant, là. Pas dans la nuit là. Ah, je sais pas, j'ai pas testé celui-là encore donc. La glace en général, ça pardonne pas. Hein. J'aimerais bien me choper aussi double dash. Là. Bon, ils voient un bras. Et c'est écœurant de voir ça. Je pense à Mario Kart, les mondes de glace. Évidemment. Double dash, les gars. C'est pas mon préféré, hein. Contrairement à d'autres. Moi je suis plus version SNES 64 en Mario Kart. Mais j'aime beaucoup Double Dash, j'ai pensé, j'ai défoncé le jeu. Donc j'ai pas mal de bons souvenirs dessus. Oh bah t'es sérieux. Tellement ça m'a surpris. Franchement. Merde. Hey, il fait du hors-piste, on n'est pas dans snowboard là. Oh, allez. Là j'étais bien parti, je suis deg. J'ai fait deux grosses fautes quand même. En fait, ta barre de boost, elle se remplit quand tu passes les pylônes, les plots. Là. Aïe, allez, c'est bon. Hey, j'avais bien négocié, dommage. Il reste un tour. C'est pas mal. On va aller par là, hein. Je pense que c'est plus sympa, non? What the fuck? Septième. Pas terrible. Putain. Ah ouais, l'enculé. C'est dégueulasse. Allez. Septième. Toi. C'est pas GG.
C'est pas GG ça. Normalement ça passe. Je crois même pas que ça passe en vrai. Ah si. Attends. Pas fini. Ça passe peut-être. Ouais, bah heureusement que j'ai été premier à la course précédente, quoi. Ça passe, on est encore là. 7e. Putain. Chaud. Là, faut que je sois 4e pour passer. Bon, c'est un circuit calme. Tranquille. Mais ça veut rien dire, on a été premier tout à l'heure à celui-là. Donc. On va essayer de refaire la même. Hein. Oh là là, comment ils me redoublent tous là-haut, c'est quoi ce truc de ouf là. Merde, j'en ai loupé un. Oh. Deuxième juste à la fin, moi. Faudrait que j'apprenne à faire des figures, quand même. Attends, je vais regarder la notice de plus de deux secondes. Toutes les figures sont marquées. Ce sera avec le joystick gauche et le bouton B. D'accord. Oui. Par exemple, il y en a plein. Il y a 4 pages de figures, quoi. D'accord. Ah, faut faire. Ah ouais, tu peux faire des 360 aussi. Putain. Ouais. Et ce que j'aime bien avec les jeux GameCube, c'est que ça me fait penser aux notices des jeux Super Nintendo. Tout en couleur, super, super propre, super détaillé. Ça, c'est génial, quoi. Donc, on va essayer d'en faire une figure. En maintenant le bouton B, voilà, tu fais bas ou haut, peu importe. Okay. On va essayer déjà d'en faire une. Ce serait déjà pas mal. Hein. Peut-être que c'est mieux de tester les figures dans le mode stunt, dans le mode cascade, je pense qu'il est fait pour. Sinon on a le didacticiel hein, aussi, hein, au pire. Parce que à mon avis,
Faut être entraîné pour faire des figures en course comme ça. Hein. Faut bien connaître les bonnes rampes et tout, quoi, à mon avis. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça, moi, je suis... Enfin, je m'en fous un peu des notices, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais... Moi, c'est au maximum du rétro, quoi. Hein. C'est vrai que... Next Gen, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ça m'a jamais trop intéressé d'ailleurs. Il y a des bons jeux, j'en ai fait pas mal. Mais bon. C'est pas mon truc, ça n'a jamais été. Même quand j'avais la PS4, je faisais souvent des remakes, des remasters, des jeux indépendants. Pas vraiment. Après, il y a des très très bons jeux next-gen. Hein. Genre les Ratchet & Clank, Uncharted, enfin les trucs comme ça quoi. Les Assassin's Creed, les God of War, enfin. Il y a des bons trucs, hein, il y a des très très bons trucs. Les Batman surtout. C'est pareil, les Assassin's Creed. Non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Je connais. Je vois ce que c'est. J'ai pas fait, mais je vois ce que c'est. Ori and the Blind Forest, là, c'est ça, non? Si c'est du même qu'on parle. Eh, faut pas que je me foire là. Waouh! Trop beau ça! On peut connaître quand même. Allez! Par contre, il met trop de temps à se relever quoi. Hein. C'est pas beau. Ah, c'est super chaud là. Ah, là, je suis deg. Pas bien. C'est pas un circuit très dur en plus, on a fait la glace, on a fait la nuit. Ça c'est pas un circuit très dur, c'est relatif. Tout est relatif. Merde, quoi. Ouh. Non, c'est super chaud. C'est chaud que chaud. Ah, t'as intérêt d'avoir le compas dans l'œil. Quoi. Allez! Ah, c'est pas. Ah ouais, bah, pourquoi pas, écoute. Je sais pas si je suis bien. Je crois qu'il fallait être quatrième, non? Normalement ça passe, je sais pas. Je ne sais pas trop. Ah, j'ai pas droit à l'erreur pour le dernier circuit si je veux passer à la coupe expert. Je suis sixième. Ah non, attends. Ah non, je suis troisième. Eh. Je suis troisième, c'est magnifique. Il nous reste un circuit, et c'est le plus facile, c'est le premier. Ah non! Hein? Oh putain, il me manquait 3 points! Oh non, je suis dégoûté. Eh, je suis deg. Putain, je suis deg en vrai. Ah là là. Il me manquait 3 points, j'avais géré, je suis deg. Mais bon, c'est comme tout, à force de faire, hein. Évidemment, ça finit par passer. On va se faire une petite cigarette et puis on va recommencer. On va recommencer.
En tout cas, très très content de l'acquisition. Clairement, je m'attendais à ça. Encore, il y a plein de subtilités que je ne connais pas. Ne serait-ce que les figures, les raccourcis. Puis il y a les niveaux experts aussi, hein, c'est des nouveaux niveaux. Donc... Bon, ça c'est sûr, c'est des jeux assez rapides, c'est des jeux assez courts. Mais ouais, en vrai, on parlait de ça hier aussi, là je reviens au prix des jeux GameCube. Si vous voulez vous choper des jeux GameCube, les gens n'en attendaient pas. Et c'est incroyable, je me rendais pas compte. Comment c'est monté en flèche, quoi. Je me suis renseigné pour quelques titres que je veux récupérer, bah franchement, voilà quoi. C'est honteux. C'est honteux. C'est vraiment dommage. Surtout que, ouais, comme on parlait hier, c'est des jeux que tout le monde a eu, donc ils ne sont pas rares du tout. Voilà quoi. De toute façon, moi, ce que je veux pour la GameCube, en vrai, c'est les jeux estampillés Nintendo, quoi, le plus. Après, il y a quelques titres aussi qui m'intéressent, quand même, à côté. Il y a une vingtaine de titres qui m'intéressent sur GameCube. Une vingtaine. Une bonne vingtaine. Et après, le reste, à côté, je m'en tape complet. Et bon, quand je vous dis une vingtaine, c'est des jeux à 50, 100 euros, quoi. Hein. Presque chacun. Donc. Là, on commence, enfin, on recommence, c'est des jeux à 20, 30, 40... Ça peut encore aller quoi. Je pense que celui-là fera partie des moins chers quoi que j'aurai. Je pense. Allez. Après ça grimpe tout de suite quoi à 50. Hein. À Luigi's Mansion c'est 50 euros quoi. Complet. Là, je le veux aussi, donc... Ouais, grave, bah, moi, tu sais, je collectionne la Super Nintendo, donc, japonaise, des pales. Donc, en boîte. Donc, oui, si tu veux qu'on parle de prix, je peux... Enfin, j'aime... C'est pas question de ça, mais... Oui, ça fait mal. Surtout le carton qui fait mal. En général, je suis beaucoup plus dans la Super NES, tu vois. Là, je refais un petit peu de GameCube, bah, je fais plusieurs supports. Mais quelques jeux, quoi. Quelques jeux. Le plus que je fais, c'est la Super NES, quoi. Japonaise et pâle. Donc là, par contre, ça pique. Même un jeu SNES, un bon jeu SNES, je parle un jeu du cœur, comme j'appelle ça. C'est en loose, hein, sans rien, c'est-à-dire c'est tout de suite 50 euros, quoi. Un bon jeu, quoi. Un Super Castlevania 4, un Zelda, c'est du 70 balles, 60-70 balles, quoi. C'est ça. Pour ça, moi, je fais de la reproduction. Enfin, je fais pas de la reproduction. Je prends qu'à les boîtes repro via un site pour le PAL, hein, pour le japonais, tout d'origine. Le japonais, c'est moins cher. Ça dépend des titres, encore une fois, comme pour le PAL. Ça dépend des titres, encore une fois. Donc j'alterne, suivant les titres. Mais j'ai des titres que j'ai en japonais et en PAL, quoi. Tellement j'ai aimé les jeux, quoi. Que j'ai mis de prix, quoi. Mais c'est sûr que je peux pas me prendre des lots de 5 jeux, hein. Pas à ce prix-là. Bon, après, il y a le soutien aussi des viewers, hein, donc ça aide aussi beaucoup hein, pour certains jeux, hein. Comme ça que j'en ai chopé aussi. Hein. Avec le soutien, j'en ai chopé quand même pas mal. Donc voilà. Quoi. Mais ouais, le carton, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Et ça va pas aller en s'arrangeant.
Évidemment. Et c'est de ça que je parle pour la GameCube actuellement. C'est juste énorme. C'est flippant. C'est flippant. Certains jeux, franchement, c'est flippant, quoi. C'est des jeux que tu as eu, que tout le monde a eu, que tu trouvais à 10-15 balles à une époque, maintenant tu les trouves à 50. Et encore des fois, faut voir l'état, quoi. Mais bon, la passion. Donc petit à petit. Pour ma part, en tout cas. Moi, je suis content quand j'ai une belle pièce, déjà une seule ou deux, c'est très bien. Content. Si j'ai une ou deux belles pièces par mois déjà, moi, c'est, je suis content. Alors, des fois, c'est plus. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est une. Non, mais grave. Ça fait quelques mois là que je me déplace dans les caches, justement. Ça va, j'ai réussi à trouver des lots. Pour 100 euros, j'ai réussi à trouver 17 jeux, tu vois. Par exemple, c'est un exemple. Mais des bons jeux, quoi. Des jeux que je veux, que je voulais. Je voulais récupérer. Ça va. Quelques accessoires aussi. Quelques consoles aussi. Là, tu vois, par exemple, ma GameCube, là, sur laquelle on est, là, je l'ai eu à 20 balles. Elle était à 40 euros en vitrine, elle était dégueulasse. Je l'ai complètement nettoyée. Je l'ai fait revivre. Elle m'est revenue à 20 euros. Manette officielle, console officielle, câble officiel. J'ai juste eu à racheter une bonne carte mémoire à côté. Puis les jeux, quoi. Ça fait pas longtemps que je l'ai récupéré. Mais tu vois, elle était toute seule en vitrine, limite, comme une relique, avec des toiles d'araignée, des trucs. T'aurais vu l'état, quoi. Horrible. Et c'est dingue qu'ils nettoient pas, quoi. Ouais, du coup, je l'ai négocié. Hein. J'ai négocié. Elle était à 40, ils voulaient pas au début. J'ai fait, t'as vu l'état et tout. En fait, c'était juste de la saleté. Là, je te la montre. Elle est nickel. Nickel chrome. J'ai déjà montré en live. Voilà, elle est nickel chrome, quoi. Elle m'est revenue à 20, quoi. J'ai négocié. J'ai dit, je te la prends tout de suite, 20 euros. Mais j'avais pris quelques jeux Super NES à côté aussi. Hein. Si j'avais pas pris les jeux Super NES à côté, ils m'auraient pas fait le prix-là. Ça aurait été non. J'avais quand même pris une dizaine de jeux SNES à côté, donc ça faisait plus de 100 euros, quoi. Donc bon, il m'a fait un prix, quoi. Elle m'est revenue à 20 euros, quoi. Bah ouais, bah moi j'étais venu pour de la SNES, et je la vois toute seule dans la vitrine, et je l'avais pas, je la voulais depuis longtemps, mais à un bon prix, quoi. Je l'ai récupéré depuis longtemps, mais à un bon prix, quoi. Donc j'ai réussi à négocier ça, j'ai eu les jeux que je voulais, voilà, 20 balles. Tout est nickel, hein. Bah tu vois bien, hein. Elle est parfaite. Aucun problème. Juste, je l'ai fait renaître. Elle était vraiment dégueulasse, moi. Ça, là-dessus, c'est des crassous. Hein. Dans les caches, c'est vraiment des crassous. C'est incroyable. C'est des crawettes. Je peux te dire que en dessous de la GameCube, quand j'ai retiré les caches, il y avait des moumoutes de poussière dedans. Carrément, c'est pas une blague. Et vas-y, putain, pourquoi ? Carrément, c'est pas des conneries. D'ailleurs, j'y étais retourné aux caches après, j'allais dire. C'est dingue. Donc on n'a pas le temps de tout nettoyer, mais une console quand même, une console. Des jeux en loose et tout, ok, je peux comprendre. Une console que tu mets en vitrine toute seule, t'as pas le temps de la nettoyer. Ma gueule. Paye ma tronche, quoi. Paye ma tronche. Surtout qu'ils en ont pas 36 des consoles, hein. Dans mon cache, donc pas déconner, quoi. Mais bon, de toute façon, même s'il l'avait nettoyé, je l'aurais renettoyé, quoi. Donc, tellement maniaque là-dessus, quoi.
Oh. Mais quand même, c'est abusé. Troisième, juste à la fin. Ça peut être pas mal. Ouais, là j'ai fait une affaire, mais comme je dis, tu vois, j'avais pris pas mal de jeux à côté. Hein. Il en a eu pour son... une belle vente, quand même. Et oui, pour en revenir au carton, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Donc moi, je veux bien me prendre un jeu original en français, en Europe ou en FAH, comme tu veux, bien, enfin, c'est ce que je recherche au max. Mais je vais pas mettre 50 ou 100 euros dans du carton avec l'attaque. On a déjà parlé. Hors de question. Hors de question. J'ai vu un Donkey Kong Country en pâle dans la vitrine de mon cache le mois dernier. 95 euros. La boîte éclatée. Tu sais, il n'y a même pas la notice dedans. Faut arrêter. Les trois Donkey Kong Country en japonais complet avec leurs cartes et tout, mais complet de chez complet, hein, très très bon état. J'en ai eu pour 70 balles. Les trois. Trois Donkey Kong Country en japonais. Voilà. Faut pas non plus... Faut être malin, quoi. Hein. C'est, t'as pas besoin de comprendre le japonais pour jouer à Donkey Kong Country, par exemple. Voilà, quoi. Le shark, c'est vrai. Et défoncer la boîte carton. Mais défoncer, quoi. J'ai vu ça, j'ai fait, mais non, merde. Faut arrêter. J'ai dit, j'ai chopé les trois en japonais pour 70 balles. Et tout ce stib. Cal, notice, boîte, quoi. Cal, instruction, boîte, et tout ça. Voilà, total, quoi. Même, il y a la petite carte avec. J'appelle ça des spin cards, mais ça s'appelle pas comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, peu importe. C'est des cartes plastifiées propres à chaque jeu. Et par exemple, les animaux de compagnie dans Donkey Kong Country, les armes dans Zelda. Enfin. Et les Japonais font ça. Et bah bon, voilà, quoi, c'est complet de chez complet. Ça fait plaisir pour le prix, quoi. C'est... On va pas s'en priver, quoi. Clairement. Non, bah, si tu veux, je pourrais montrer, je peux te montrer si tu veux. Je peux te montrer vite fait si tu veux ce que c'est une spin card ou je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle pas comme ça en japonais. C'est plus pour la PT Engine ou la Saturn. Je vais te montrer ce que, je vais te montrer vite fait ce que c'est. Bon, c'est un petit plus, hein. Les japonais font ça. Bon, je vais te montrer vite fait un petit exemple. Par exemple, je vais te montrer dans Zelda 3. Hein. Voilà, je vais te montrer la pièce. Hein. Celui-là, je l'ai en japonais et en pâle, par exemple. Tellement c'est mon Zelda préféré, quoi. C'est mon Graal, quoi. En japonais et en pâle. Là, j'attends la boîte du pâle, justement. La cartouche, je l'ai. En FRA, en français. Voilà, spin card, c'est ça, tu vas voir. Pareil, celui-là, il est complet de chez complet. Je l'ai eu à 50 euros. 50 euros, le Zelda A Link to the Past en japonais. Tu vois, il est un tout petit peu corné. Tu vois, juste ici. Hein. C'est pas grand-chose, hein. M'en bat les couilles, hein, vraiment. L'état, il est super. Hein. Pour moi, c'est très bien. Une petite crystal box dessus, et puis voilà, c'est parfait. Quoi. Tu vois, complet de chez complet, tu vois. Notice. Tac. Le jeu, voilà, en plastique en plus. La spin card, c'est ça. Je te montre l'avant, ce que j'appelle une spin card. Et tu vois, là, tu as toutes les armes du jeu de Zelda 3, voilà. Par exemple, dans Zelda 3, toi. Dans Donkey Kong Country, tu as tous les animaux que tu peux chevaucher, par exemple. Là, c'est toutes les armes que tu as, par exemple. Quand tu mets Start dans Zelda 3... Si tu veux le faire à 100% comme moi je le fais à chaque fois, tu dois avoir toutes ces armes-là dans ton inventaire, par exemple.
Et ça, c'est les petites cartes plastifiées, c'est des petits bonus qu'il y a avec, propre japonais, hein, c'est... Voilà. Donc voilà, tu vois, je suis pas spécialement complétionniste en ce qui concerne les notices et tout ça, je m'en tape un peu. Tant que j'ai le jeu, la cale, la boîte, moi, c'est ce qui m'importe. Après, si je peux l'avoir complet, bah tant mieux. Tant mieux, et c'est souvent le cas. Mais des fois, non. Bah, c'est toujours appréciable, surtout quand c'est vraiment un jeu du cœur, quoi. Que tu refais au moins une fois par an, quoi. C'est mon cas. Zelda 3, je le fais au moins une fois par an, quoi. Donc, voilà, quoi. Oui, c'est sûr que c'est appréciable d'avoir des pièces complètes comme ça. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, c'est ça, les petites cartes spécifiques, propres aux Japonais. Mais ils le font pas dans tous les jeux. Ils le font pas dans tous les jeux. Bah, j'ai l'impression que c'est les jeux Nintendo le plus. Vraiment. Estampillé Nintendo, toi, vraiment. De chez Nintendo. C'est vrai que tous les jeux Nintendo, ils en ont une. En japonais. Là, je suis nul. Là, bah, je peux bien recommencer, hein. Je peux bien recommencer, non? Ah, c'est chaud, hard. Je vous raconte même pas en expert ce que ce sera. On le fera. On le fera en expert. C'est chaud, quoi. Tu vois? Une pièce comme ça, 50 euros en japonais, t'as vu l'état? Bon, pour un Zelda, si tu le connais pas, vaut mieux le faire en français. Mais moi, vu que je connais par cœur, l'année dernière, on l'a fait à 100% en japonais, quoi. Tout de tête. Tout de tête. En même temps, j'ai fait plus de 50 fois, donc bon, c'est... Pour moi, la langue n'est pas, n'est pas une barrière, quoi. Quand je connais bien le jeu, mais pour des RPG, il vaut mieux prendre en FR hein. Ou en anglais, au pire, l'anglais basique. Même si t'es pas bon en anglais, c'est pas grave. Comme moi, je suis pas très bon en anglais. Mais je le comprends plus que je le parle, donc bon, voilà. Même quand j'étais plus jeune, je faisais déjà des jeux en japonais et en anglais. Hein. Ça m'a jamais empêché de les finir. Jamais. Je mettais du temps, je mettais des mois. Je mettais des mois, certes. Ça m'a jamais empêché de finir. Pour du Shenmue, par exemple, tout ça, je mettais des mois. Du Secret of Mana en anglais, je mettais des mois. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je t'ai dit. Mon exemplaire en PAL, je l'ai payé. Allez, je vais dire le prix, je ne l'avais pas dit, 70 euros. C'est quand même un bon prix. Hein. Attention, c'est pas cher. Hein. Tu vois? En PAL, en français, FRA, 70 balles. Et très très bon état, un petit peu jauni à l'arrière. Ouais, mais tu peux t'en sortir puisque tu peux demander au PNJ de t'emmener aux endroits spécifiques. Donc, je suis un grand fan de Shenmue, donc je les ai tous faits sur tous les supports. Donc, je les ai sur PS4, j'ai sur Xbox. Il me manque les versions Dreamcast en boîte pour la collecte. Hein, ce sera pour la collecte. Un grand grand fan de Shenmue, donc fait partie de mes jeux préférés hein. Sur chaque support hein, de toute façon hein, t'as du bon et t'as du mauvais hein.
pour ça que bah, je suis sur plusieurs supports, j'aime plusieurs supports, évidemment. J'ai mon support de prédilection, évidemment. Je joue un peu à tout, je m'intéresse un peu à tout. Beaucoup de choses que j'aime. Mais bon, tu ne verras jamais jouer à tout ce qui se fait maintenant. Genre du Fortnite, des machins, j'en passe et des meilleurs. J'en passe et des pires. Mais je ne juge pas, je ne critique pas. C'est pas mon truc. Jamais tu me verras faire des jeux comme ça, jamais. Pas mon truc. Putain, je crois que c'est le dernier tour. Ah, j'ai déconné là. Il y a moyen de rattraper, c'est pas grave. Il y a toujours moi, les gars. Eh, j'ai pas droit à l'erreur là, aucune. Faut pas que je fasse une erreur les gars. Aïe aïe aïe, allez non, au secours. Je suis mort. Ah bah oui, moi je les ai fait en japonais sur la Dreamcast, hein, les deux. Donc oui, je confirme. Après, je l'ai refait sur Xbox en anglais, que j'ai dans la collection, l'édition collector. Et après, je les ai refait sur PS4, les trois que j'ai aussi dans la collection. Voilà. Donc là, il me manque les versions Dreamcast dans la collection, je les aurai. Hein, c'est pour... Ils ne valent pas si cher que ça, contrairement à d'autres jeux, Super NES par exemple. Hein. T'es tellement habitué à mettre le prix sur des jeux carton que. Sur des jeux SNES que après, bon bah. Hein. Ça va, quoi. Ça te paraît anodin, quoi. Ah, là, j'ai déconné quand même. Ouais, j'ai clairement déconné. Là, c'était sûr. La terminale? Comment ça, la terminale? La team? Team Sega? Moi, j'ai pas de team spécialement. Je suis pas pro quoi que ce soit. Hein. Je te dis, j'aime plusieurs supports. Donc, j'adore Sega aussi, hein, comme je disais. Mais c'est pas du tout ma console de prédilection. C'est celle avec laquelle j'ai le moins d'affect, on va dire. Je suis plus du côté Nintendo, mais j'adore Sega quand même. Bah, Shenmue, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a des très bons jeux sur Sega. Et à un moment donné, je faisais pas mal de Mega Drive aussi. Bon, c'est pas très cher, un Mega Drive. Hein. Ça dépend des titres, encore une fois. Encore une fois, quoi. Toujours le même truc. Hein. Je faisais même de la Master System à un moment donné. J'ai arrêté, puisque c'est pas ce qui me botte le plus, quoi. Et puis. J'ai préféré me séparer de certaines choses pour investir justement dans la collection Super NES et Super Famicom, quoi. Et quelques titres à part aussi. Ouais, pourtant il est génial. Géniaux les Street of Rage. Géniaux. C'est intemporel, c'est des jeux. Tu peux pas t'en lasser quoi, tu y reviens souvent. Tu reviens tout le temps en fait. C'est des jeux que tu joues au moins une fois par an, pareil. Un petit Street of Rage comme ça, voilà.
en mode détente. Ou un petit Final Fight. Ça c'est sur Super NES. Hein. Chacun a son beat'em up. Hein. Ah le bâtard. Chaque console a son beat'em up, c'est ça que je veux dire. Moi j'aime les deux, tu vois. J'aime Street of Rage et j'aime Final Fight. Ah. Mais j'en aime bien d'autres. Eh ! Ah, il y a un passage secret là ! Ah ouais, ok, d'accord. Il y a marqué derrière la boîte, hein. Payez-vous des chemins, des passages secrets, machin, machin, chouette. Ils le disent, donc. Je connais pas assez le jeu pour prendre ce genre de risque. Je préfère pas tenter. Je préfère le faire tranquillement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Une blague, hein. J'étais trop bien, je suis deg. Allez, putain. Mais non, je suis à la fin. Ah là 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 là, mais dégage. Ah bah oui, bah Cadillac and Dinosaur, je l'ai fait il n'y a pas longtemps en live. J'étais resté 2-3 heures dessus un après-midi. Évidemment. Évidemment, très très bon. J'ai pas d'affect avec, hein, j'ai pas de nostalgie avec, j'ai pas connu à l'époque. Très très bon. Bah ouais, j'aime beaucoup les jeux d'arcade. Ouais, bah j'ai, en vrai, avant de commencer sur console, que ce soit chez les voisins ou chez moi, j'étais sur les bandes d'arcade, dans les campings, les fêtes foraines... Même dans les vraies salles d'arcade. Hein. Bah ouais, mais c'est des jeux où tu te régales, de hein, toute façon. C'est des jeux où tu te régales toujours. Toujours, toujours. Après, c'est pas mes jeux préférés. C'est comme les Versus Fighting, c'est pas mes jeux préférés. Moi, je suis plutôt jeu de plateforme, tu vois, ça m'empêche pas de jouer à d'autres genres de jeux, j'aime beaucoup de genres de jeux. Mais... Ah, la nostalgie. Un petit Killer Instinct, un petit Street Fighter 2, tu vois. Que j'ai dans la collecte, hein. On peut faire une petite partie de temps en temps, tu vois. C'est pas des jeux que je vais rester 15 ans dessus, quoi. C'est plus pour la nostalgie... Faire un petit fight de temps en temps. Pareil pour les beat'em up d'ailleurs. Donc voilà quoi. Et GG level up, c'est info. Alors toi qui débarques sur la chaîne, n'oublie pas qu'avec les points de chaîne, tu peux regarder ça en dessous là où il y a les petits logos de la SNES. Tu pourras choisir un jeu hein, à me faire faire en live. Ouais, voilà, une demi-heure, une heure. Après, les jeux dans le genre, je suis resté des fois longtemps dessus, hein, parce que c'est très bon. Quoi. Mais c'est pas forcément des jeux que je reviendrai dessus, quoi. À part certains, évidemment. Mais... Ah, j'ai fait une figure de malade là. Oh là là. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Mais attends, j'ai pas eu autant de mal tout à l'heure à le faire celui-là donc.
Parce que je branle là, mais. On discute, mais je suis plus dedans, quoi. C'est vrai en plus. Alors, bon. Dans le boss que j'ai fait là, quand même. Putain, me fait chier. Wow. Reste tranquille, Jack. Oh là là, il est dur hein, quand même, putain. C'est dur à remonter. Hein, quand même. Ah, c'est dur. C'est dur, dur. Non mais je suis plus dedans là, Je ne suis plus dedans. You must do better than that. These pros don't mess around. Ah, par contre c'est vrai que là, niveau rapport à la 64, c'est. Bon c'est logique hein. Gros niveau au-dessus quand même, hein. gros niveau. Hein. Gros niveau, hein. Même difficulté. Hein. Graphisme, c'est normal. Hein. Hein. On va essayer le stunt mode vite fait. Ah d'accord, ça aussi, ça se débloque. Il n'y a pas de souci, Sinfo, merci d'être passé. À plus tard. Bon app si t'as pas mangé. Alors, 9162. Ouais, y a pas de souci quand tu veux. Quand tu veux, Sinfo. Y'a pas de problème. Ah, d'accord, ça se passe comme ça. Bon, très bien. D'accord, bon, donc c'est un mode à faire aussi. Hein, donc. J'arrive à faire des figures un petit peu, mais pas trop quand même. Hey. Par contre, quand tu prends le décor, c'est fini quoi. J'ai fait un score de merde. J'ai fait un score de pupute. Non, oui, non. Le meilleur score, c'est 9000 et quelques, donc voilà quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, ouais. D'accord, ok. Aïe. On va réessayer quand même l'histoire 2. Tout est dur en fait dans le jeu. 3, 2, 1, go! You have just earned the turbo. Checkpoint clear. Ah, mais faut la poser aussi la figure. Hein. C'est pas mal, je sais pas, ouais, c'est. De toute façon, je fais des scores de merde. Clairement.
C'est nul. Ok. Juste voir un truc vite fait. Ah d'accord. Bon en fait, ok. C'est par rapport au mode championship. Ce que tu débloques dans le mode championship, ça débloquera, par exemple, quand on débloquera le mode expert en mode championship, ça débloquera le mode stunt mode en mode expert. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Ça c'est pour se balader normal, pour connaître les circuits, non? On va voir. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Merde. Welcome to Dolphin Park. Ah ouais, 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 c'est carrément... carrément un mode explorer. Ah ouais, mais tu peux faire des figures sur place aussi, mais c'est trop bien. C'est délire. Ok, ouais, d'accord, c'est un mode explorer, quoi. D'accord. C'est un mode explorer, d'accord. Okay. Moi, je voulais voir. Ok, bah, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien du tout. Bah si, c'est pour connaître les circuits, quoi. Bon, time attack, hein, ça sera pas une surprise. Le tutoriel, là. Ça peut nous aider. Pour quelque chose. On va voir. S'ils nous disent de faire des commandes particulières, on va voir. Alors, comment ça se passe, ce truc? Advanced. Basique. Tout faire. Ah, on regarde juste, quoi. Ça, c'est le bouton A, bon, d'accord. Ah bien. D'accord, si, bah ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Bien sûr, pas les premiers trucs. Mais c'est bien, c'est bien ça, c'est bien foutu. Parce qu'il y a certainement beaucoup de subtilités que je ne connais pas. Donc c'est pas mal à faire. Ah ouais, 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 ouais. En fait, t'as même pas besoin d'utiliser les gâchettes pour tourner au max, ok. C'est bon à savoir aussi. Le L et R. Si, si, ça sert pour se pencher aussi. Ouais, si. Comme sur 64. Exactement la même chose. D'accord. Le turbo, ça, on l'a vu. Par contre, je savais pas que c'était le bouton Z. C'est Tigrou, le mec. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est pour prendre de la vitesse. Ah ouais. Ah ouais. Oh, d'accord, ok. Bon, il y a quand même quelques subtilités.
Les jumps, les cascades, figure. Mid-air control. You. Now let's see you do it. Que veut ça? Logique hein, pour plonger. Ok, ça change pas. Ah, les deux. À quoi ça sert ça? Ah ouais, t'as resté carrément dans l'eau. Ok, attends. Ah ouais. D'accord. Très bien. Long dive. Go ahead, give it a try. Ah voilà, d'accord. Oh le dauphin. C'est quoi ce délire? Right barrel roll. D'accord. Go ahead, give it a try. À quoi? J'ai pas fait? J'ai pas bien fait? Apparemment. Je comprends pas. Ok. Bizarre en fait là. Pourtant je l'ai pas bien fait, qu'est-ce que... Eh le flipper, là. Flipper le dauphin. Là. Ah d'accord. Ah ouais mais bon. Ouais. Il dit droite ou gauche, j'ai essayé les deux. Faut prendre de la vitesse quand même. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Ça. Par contre, si tu le poses pas, voilà quoi. Tu t'éclates et puis. Bien comme il faut quoi. Prendre plus de vitesse que ça, peut-être. Quoi, j'avais réussi. C'est pas très, c'est pas spécialement instinctif ça. Moi, j'arrive pas. D'accord, bah là j'avais réussi, mais bon. Un petit peu à chier quand même. Faut le faire bien avant en fait, bien avant la rampe, faut le faire même sur la rampe, comme ça. Good job.
Ouais. Blim. Backflip. To do a backflip, go on. Ah, c'est pas mal à savoir quand même, quoi. C'est vraiment bien à savoir. Faut faire un petit peu avant, et c'est bon, quoi. Parfait. Ouais, c'est pas si simple. Bon, bah très bien. Bon, on verra pour le reste après, hein, évidemment, on le fera. On fera les coupes restantes, évidemment. Et le restant des didactiques, là. Voilà. Donc, on va voir s'il a bien pris sur la carte mémoire. Enfin, attends, deux secondes. Oui, bah oui. Hop, on va juste faire ça. Pas faire n'importe quoi. Hop. Juste à rallumer. Je regarde juste pour moi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Voilà. On a WebRace. Je voulais juste vérifier si je l'avais bien dans la carte mémoire. C'est cool. Bon, du coup, on va s'arrêter là, les amis. Moi, j'ai un rendez-vous à 13h45. Il va falloir que je me prépare. Donc du coup, bah, merci à tous et à toutes d'être passés. Merci pour le soutien à la chaîne, hein, encore une fois, à ceux qui m'ont soutenu. Hein. Merci d'avoir été là. Attends, c'est bon. Ok. Donc du coup, on va faire un petit raid. Je pense revenir cet après-midi, je ne sais pas vers quelle heure. Je ne sais point. On verra bien si je reviens. C'est pas dit. Et si je reviens, on continuera WebRace où on démarrera un autre jeu. Vu qu'on en a fini avec le parrain. On en a fini avec le parrain. Qu'on en a fini avec le parrain. Donc du coup, on va faire un petit raid. Je sais pas à qui, mais. Il y a qui stream là? Tiens, bon, on va faire un petit raid chez KD. On va faire un petit raid chez KD qui fait le marathon Zelda. Jusque dimanche. Donc c'est assez cool aussi à regarder. Donc voilà. Et donc, sur ce, moi je vous dis, bah, peut-être à cet après-midi. Sinon, des bisous. Tchuss. Et on lance le raid.